Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Liam Jurassic. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais juste je vais pas faire une vidéo sur le timing, mais plutôt vous dire juste des trucs sur des choses sur Ark que moi je me pose souvent des questions. Il y avait une question que m'avait posée dans les commentaires en me disant comment je trouve les notes plus facilement. Bon, je vais répondre à ta question. C'est juste que tu vas dans ton inventaire, tu entres et dans ton inventaire ici et tu vas pour poursuivre disponible. Tu descends et tu regardes là où c'est marqué la connaissance de vos ancêtres. Après, tu appuies commencer. Tu vois la petite flèche là qui te dit que tu dois aller là-bas pour aller trouver pour trouver la note que tu cherches ou tu cherches pas. Tu vois, elle est juste là. Mais moi je crois que j'ai à peu près toutes les notes. Je suis pas très sûr. Mais je crois que je les ai tous. Et bon les gars, c'est pas ça. C'est pas que ça aussi. Et là aussi tu peux aussi faire beaucoup de quêtes comme des dressages ou des chasses. Oui, au niveau il y a aussi il y a pas que ça, il y a aussi des trucs comme ces deux là. Attends, je vous montre. Ici comme la tannerie et la cuisine de chef. La cuisine de chef, elle est très intéressante parce qu'elle vous permet de faire des recettes comme les kibbles, des recettes que vous pouvez pas faire. Et aussi oui, juste que ça, des kibbles, des recettes. Et il y a aussi la tannerie que je vais vous montrer. Ça là qui vous permet de faire des sels de dino, mais ici en fonction des mélanges que vous avez, ou plutôt attends, je vais vous montrer parce que je l'ai acheté. Je dois d'abord trouver quelque part pour le poser. Voilà, voilà la tannerie. Non, c'est pas des mélanges, c'est des quoi, remèdes. C'est des remèdes. Vous pouvez faire n'importe quel sel, même si vous n'avez pas encore le niveau. Il y a la selle du gigantosaurus, mais on peut pas l'acheter. Je sais pas pourquoi on peut pas l'acheter. Oui, c'est en fonction des petits trucs là, des petits trucs qui ressemblent à des pots. C'est en fonction de ça. Et je voulais savoir, est-ce que j'ai acheté la selle du Rex parce que j'en ai besoin. Je voulais voir s'il y a la selle du Quetzal, la selle du Spino. Il y a toutes les selles ici, hein. tout ce qui peut être fabriqué avec de la fourrure, de la peau plutôt, et ici. Quetzal. Attends, non, le Quetzal c'est avec un Q. Là, je suis au niveau d'épée. Voilà, Quetzal. C'est plutôt une plateforme, hein. Et elle coûte super cher. Il n'y a pas sa selle là. C'est juste une plateforme. Bah, je comprends plus rien. Ah si, il y a sa selle, il est juste là. Voilà, et vous pouvez acheter n'importe quelle selle. Mais quand vous achetez la tanière quand vous l'achetez à 50 ombres et que vous l'avez,
Vous allez avoir déjà les ressources pour acheter. Vous allez en avoir 500. 500 que vous pouvez acheter n'importe quelle selle, mais ça dépend de l'achat. Bon, on va essayer cette selle de Rex. Parce que j'avais hâte de monter un Rex, moi. J'avais drôlement hâte. Et je vais appeler celui que je viens. Celui-là. Qui est level 40. Je pense, je vais l'appeler et on attend qu'il arrive. Comme ça, j'ai envie d'aller me bagarrer un peu. Et ta 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 ta. Non, 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 moi je vais pas faire une quête. Moi, je veux pas une quête. Voilà, et on attend. Le Rex. Oui, je vais aussi vous montrer au niveau de ma base. Je l'ai agrandi. Je suis lourd. Mais ça passe. J'ai agrandi ma plateforme. J'en ai fait une, deuxième, plus grande. Et j'ai aussi fait un enclos. Mon enclos, je l'ai agrandi. Je vais aller vous montrer. Et puis zut, il est où? Il est dans la baraque. Puis zut. Bon, là on va le monter comme ça, je vais vous montrer directement. Équipé. Waouh. Ah ouais, ça envoie du lourd. Pardon, j'aimerais passer. Waouh, les gars. Ça envoie du lourd. Voilà, j'ai agrandi. Vous voyez, c'est vraiment très très grand. Oui, j'ai pris au niveau d'ici jusqu'ici. Il y a aussi mon loup, mon dent de sabre et mes trois gigantopithecus. On va aller voir ce que ce Rex donne. Et j'ai aussi fait toutes les selles pour mes allosaures. Parce que je suis monté, quand j'étais level 66. J'ai pu faire des constructions pour monter level 67 et j'ai pu faire la selle des allosaures. Waouh! Je suis tout petit, on m'aime pas. On me voit même pas. On va aller se battre un peu. Et je crois bien que je vais augmenter plutôt son énergie. Hein. Bon, les gars, vous êtes prêts pour voir une petite baston. Petite baston, ouais. Baston, je suis tout petit, regardez-moi, je suis tout petit. Allez, on y va. Let's go. Ils ont pas peur, on y va. Allez, allez, yes. On croque, on croque, on croque, on croque. Il fait très très mal, hein. Il fait très très mal. Ah oui. Il y a une armée de raptors qui s'approche. Je me sens déjà le plus fort. Oh, il y a une armée de scorpions ici ou quoi? Allez, allez, allez. En plus, le Rex c'est un très bon collecteur de viande supérieure. Et aussi le carnotaure. Et aussi d'autres dinos carnivores. Allez, croque, croque.
fuck, monsieur. J'aurais dû appeler des renforts, mais comme mes 4 T-Rex, j'en ai 5 des T-Rex. Augmente sa vitesse, non pas sa vitesse, plutôt son énergie, parce que là c'est une crabe à l'eau. Il récolte beaucoup de choses, le Rex, hein. Surtout la chitine, là, récolte vraiment beaucoup. Je suis le maître du monde. Je suis le maître. Je dirais plutôt le deuxième maître, hein, parce qu'il y a aussi le... Non, le troisième. Parce qu'il y a aussi le Titanosaurus. Le grand, grand... là, et aussi le boss, pas vraiment le boss, mais le gigantosaurus, le bust. Voilà. Bon, les gars, c'était juste pour cette vidéo, même si vous allez pas être très très intéressante. Mais c'était juste pour vous expliquer un peu, il y a aussi quelqu'un qui m'avait demandé. Et aussi, n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez que je peux faire. Mais en tout cas, je peux pas tout faire. Hein. Je suis pas vraiment très très fort. Comme aller sous l'eau, j'ai grave peur. J'ai même pas aucun dino qui va sous l'eau. Parce que dans l'eau... c'est dangereux, il y a trop de mégalodons, des trucs vraiment vraiment diaboliques, je vous jure. Mais vous inquiétez pas, quand je vais aller dans l'eau, ça sera pas les gâteaux, hein. Bon les gars, c'était juste pour cette vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt avec la sauvegarde. À très bientôt sur Arc Mobile. Ciao ciao les amis, ciao. Et je vous fais aussi un petit cri, bon courage.